Mais cerisier, c'est Rosalys. Salut, bienvenue dans ce nouveau let's play Animal Crossing Pocket Camp. C'est bel et bien le printemps, les cerisiers sont complètement en fleurs, la décoration rivière de cerisiers est en train de se compléter et en plus nous avons Marie qui fait son hanami. C'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Alors, depuis tout à l'heure, on entend des personnages en train de rire. De qui s'agit-il? C'est Mounia qui est en train de rigoler avec Alix. Alors, mise à jour, elle vient d'avoir lieu à l'instant. Blablabla, ok, bon bah c'est bien, le jeu est toujours maintenu. Alors, avant de voir le hanami de Marie, commençons par ma propre décoration. En fait, si je joue là maintenant, c'est parce que je pense que ça y est, je vais avoir complété toutes les quêtes de la rivière aux cerisiers. C'est parti, on va vérifier ça. Rareté partagée par Drake. En fait, il y a partagé par Drake ici, et de ce côté-ci, c'est les cerisiers que j'ai plantés. Oh, mais aussi partagé par Jessica, tiens. Là, voilà. Celui-ci, c'est un Dingo Bay que j'ai eu moi-même. Dingo Bay argenté. Allez, c'est parti, on capture tout. Ah, quel travail résultat de la capture. Oui. Et c'est fini. C'est bon, je me fais plus piéger maintenant. Pour l'événement jardin, à chaque fois, les deux premières quêtes, ça va jusqu'à 10. Et les deux dernières, ça va jusqu'à 8. Haha, Cathy. Ouah, super, tu as réussi cette tâche qui était plutôt difficile. Tiens, c'est pour toi, tu l'as bien mérité. Barque rose cerisier, waouh! C'est super beau. Et joyau fleur de cerisier. Mais, t'as réussi toutes les tâches, trop bien, t'es génial. On va pouvoir admirer les cerisiers au bord de l'eau, j'ai trop hâte. Yeah! Animation! Avec Chino, waouh! Ça va trop bien. Quête tout accomplie! En fait, t'avais comment mon camping-car qui était bizarrement là. On dirait que les gens ont bien profité de la rivière et des jolis cerisiers. Je suis toute contente. Oh, et comme t'es vraiment une pro de la capture, je t'ai préparé des tâches en plus. C'est parti pour les tâches additionnelles. Bonjour à vous qui êtes présents dans la chat, Citrouille, Sandrine et Sarah. Et Sandrine qui dit, félicitations à toi, c'est super. Bah, le let's play était là pour ça. Et en échange, j'aurai encore plein d'autres récompenses à t'offrir. Amuse-toi bien. Youpi! Rivière aux cerisiers, quête additionnelle. Continue d'en capturer pour avoir une barque violette cette fois-ci. Rive avec cerisier, stand dingo cerisier. Oh! C'est trop génial! Et déjà, quête accomplie. Rocher, rivière, cerisier. Et rocher, rivière, cerisier. Rivière ou cerisier. Ah! Du coup, on a plusieurs choses à faire. Parce que par rapport à l'événement, du coup, j'ai récupéré pas mal d'objets. En plus, on va pouvoir faire des échanges avec non seulement les Dingo Bay, mais aussi avec les cerisiers pleureurs. Du coup, j'en ai récupéré. Placé toutes les décos. En plus, bon, ça, c'est la déco telle que je l'ai faite au dernier let's play, avec un début de rivière. Mais en fait, j'ai carrément beaucoup plus d'objets maintenant que j'ai terminé toutes les quêtes. Avant de passer à ça, on va regarder ce qui concerne Marie. D'ailleurs, pour info, vous pouvez avoir un beau fond d'écran pour votre smartphone. C'est exactement la déco que j'ai mis à droite là, de cette vidéo. Soit vous allez sur Twitter Animal Crossing Pocket Camp, soit vous faites une capture d'écran de cette vidéo et puis vous utilisez le bord droit là avec Marie. Trop mignon. Alors, le cerisier de Marie. Ensemble au pied du cerisier. Jette un œil.
C'est donc un meuble spécial à base de tickets verts. Et j'étais pas au courant qu'il allait y avoir ça, donc j'ai dépensé tous mes tickets verts pour mon fond. Non ! Elle est super mignonne en plus. Oh, on peut faire tourner. Donc elle admire les cerisiers, il y a quelques pétales qui tombent et elle mange des dingos. Puis on voit, elle a un beau mat au sol et ce qui est marrant à analyser, c'est qu'est-ce qu'elle mange. Donc, attends, je peux faire aperçu comme ça ? Oh, trop fort ! On va le voir en plus grand ? Oh, cool ! Avec Clara. Donc, elle a un super beau hakama rose, cerisier. Franchement, trop magnifique. Et donc, qu'est-ce qu'elle mange ? Moi, j'ai l'impression qu'elle mange... Enfin, dans son bento, il y a de la racine de lotus, du concombre, et puis des genres de sushi, je pense. Alors, on voit aussi qu'il y a la série Hakama printanier. Bon, bah, tout ça, encore une fois, à base de tickets verts. Eh, ça nous irait trop bien, à moi et à Clara. Waouh ! Plusieurs coloris. Le plus beau, c'est le rose, hein. Ça, c'est pas mal aussi. Et... des bottes ? Quoi ? Pourquoi ? Waouh ! Ça fait carrément une coiffure ! Et puis le petit sac. Bon, si on voulait faire l'ensemble, on mettrait ça, hein. Attends, du coup, il doit y avoir un rose. Oh, c'est trop beau. Bon, j'ai pas assez de tickets verts. On sort. Mais il y a une autre manière de voir de plus près Marie. Heureusement que j'ai des amis qui jouent beaucoup, hein. D'ailleurs, j'avais prédit à Morgane, je me suis dit, il y a une personne, je suis sûre, elle va avoir assez de tickets verts ou elle va tout faire pour avoir assez de tickets verts pour avoir Marie. Et donc, alors attends, où est-ce qu'elle est ? Tadam ! Photo ! J'en étais sûre! Bon bah, on va faire un tour dans ton camping. Pimpin! Histoire de voir Marie en vrai en train de profiter du hanami. Et elle gâte aux chances cerisier fleuri tarina qui a l'air sympa aussi. Télé, télé! Coucou! Nous voici avec Marie. Ouh ! Marie qui me sourit. Et là, on voit mieux le bento. Est-ce qu'il y a en forme de fleur tout devant, là ? Je pense que c'est du riz et par-dessus, tu mets... je pense du poisson. Tu le disposes en forme de fleur. Bon, après, ce qui est plus sympa, c'est les dingos. Ah, mais c'est marrant, dans l'animation tout à l'heure, Marie était en train de manger une des brochettes de dingos. Et là, non. Si on se met... Non, je voulais me mettre en mode photo. C'est vrai qu'on peut pas ici, non? C'est quoi ça déjà, caméra? Ah si! Ah. Attends, ça l'a fait disparaître. Je voulais zoomer. Oh! C'est super mignon. Je peux pas me faire une mimique là. Bon, je fais une petite capture d'écran. Téling! Wow, peux-tu regarder comme ça en fait? Après, j'ai l'impression qu'en fait la déco n'a pas trop changé, hein, Bunny Love. Mais il y a le meuble spécial de Marie. Ce qui est exactement ce qui nous intéressait. Bon, je vais rentrer chez moi et faire la déco du coup. La nouvelle déco. Jardin de cerisier. C'est ça, en mode nocturne, c'est chouette aussi. Profiter des floraisons. Bon, pour peu que ce soit illuminé, hein. Donc, on va commencer par... Alors, attends. Objet reçu. Mon riz est cuit. Je récupère quelques tickets verts, mais c'est pas encore suffisant. Alors là, c'est parce que j'ai bien planté des graines de cerisier pleureur. Donc, mes nouveaux meubles... attends, c'était pas ce que je voulais faire. Réaménager. J'ai pas mal de nouveaux meubles.
Alors, on va essayer de tout placer de manière cohérente. C'est-à-dire que la barque, elle devrait être... Ok, je pense qu'il faut que je commence par la rive avec cerisier et que je la mette tout au fond. Ok. Du coup, pour le coup, quand j'aurai plusieurs rives cerisier, ce sera plus cohérent. Et... Ah, mais en fait, ça fait un peu comme les douves du palais impérial. C'est-à-dire que tu as une rive de cerisier qui sont un peu en pente. Là, tu as des cerisiers centenaires qui sont du coup gigantesques, avec les branches même qui descendent vers la rivière. La rivière qu'on va pouvoir allonger parce que j'en ai plusieurs. Ah, mais tu as carrément... Attends. Rivière au cerisier B, quel est l'intérêt? Ah, c'est de faire un angle. Ok, bon, bah, je fais un angle. Et donc, je voulais prolonger la rivière. Ah, mais en fait, je pourrais même faire un carré de rivière. Bon, je suis pas sûre que ce soit vraiment intéressant. On va poursuivre en longueur plutôt. Alors. Normalement, j'ai aussi rivière. Au cerisier A, il est où? Dans là, c'est un tri par source, par série. Peut-être que. Bah, il est où? Par thème. Bon, je crois que je vais écrire cerisier. Cerisier. Dans la recherche. Voilà, normalement, j'ai d'autres rivières. Rivière ou cerisier B? Ah, d'accord. En long, c'est cerisier. Ah, ok. Bon, on va mettre l'autre angle quelque part. Je crois qu'on va bouger ça. Hein. Voilà, je sais pas si je vais faire ma rivière beaucoup plus longue. Quoique, attends, on va essayer de placer toutes mes rivières avant de faire la suite. J'en ai encore un. C'est une rivière qui se jette dans quelque chose. Oh, je sais pas, on peut mettre ça. On peut même mettre par-dessus. Oh. Hey, trop délire. Alors, c'est plus beau dans un sens que dans l'autre. Hein. Je pense que dans ce sens-là, c'est parfait. Alors après, j'ai aussi des rochers. Mince. J'ai bougé ça. Non, je voulais pas le bouger. Rocher. Je sais pas, on met ça par là. Et j'ai vu que j'avais le stand de Dingo. Il paraît tout petit par rapport au reste. Bon, je sais pas, on va le mettre là. On va continuer de mettre un spectacle. Ah, attends. Faut que je place le bateau qui doit pas porter le mot cerisier dedans. Attends, on va descendre tout en bas pour voir si c'est ça. Parce que ça aurait été pratique que tout soit ensemble. Normalement, il y a un genre de tri par date. C'est quoi ce thème? Quoi? Le tri, il est pas très pratique, hein. Où est-ce que je vais retrouver tous mes cerisiers? Les voilà! Ok, donc on a placé les rivières, j'ai pas mal d'autres rochers. Ah oui, j'ai ça aussi! Terrasse violette cerisier. Et terrasse rose cerisier. Superbe! On a le bateau aussi. Mon premier bateau! Barque rose cerisier. On va déjà placer ça. Hé! Après, pour ce qui est des terrasses, je sais pas trop là. Hein. Alors, ce qui serait logique, c'est qu'il soit devant la rivière. Peut-être que ça, vu que c'est un gros carré, on le place là.
J'espère qu'on verra le stand de Dango, à moins que je le mette par là. La rivière, elle se jette sur le stand. Mais au moins, comme ça, on verra tout le monde. Et après, en bordure, je mets des rochers, par exemple. Oh, bonjour à Gabriel qui vient d'arriver. Bon là, c'est bien protégé, hein. Personne ne peut tomber dans la rivière. Voilà, après il me reste quelques lampions. Bon, on va mettre ça là. Je disais que les cerisiers devaient être illuminés. J'ai peut-être un peu de place. Oh, j'en ai. Non, non, ça, je le laisse là comme ça. Enregistré. Bon, alors que va nous donner cette première version? Ouh! Le petit stand de Dango. Donc, Dango sucré, trois couleurs, ou Dango juste du mochi tout blanc. Et après, tu mets de la sauce soja dessus. Coucou! Ça te plaît de gérer ce stand, Bouloche? Salut Rosalie, je m'étire un peu après mon sport de la matinée broutille. Quoi de neuf? Yo, j'ai un petit quelque chose pour toi pour investir dans ton camping. Des clochettes. C'est chouette, il y a aussi des lampions roses. Alors, vous savez quoi? On va se mettre en mode photo pour te voir de plus près. Oh! Attends, faudrait que moi je me pousse. Genre, je me mets là. Bouloche au stand de Dango. Eh, mais tout est décoré cerisier et tout est avec les trois couleurs. Le rose cerisier, blanc et vert. Ah, mais tu manges pareil que Marie. Oups. C'est ça, hein, je pense que c'est des sushis. Il mange avec des baguettes, du coup. T'en as... Oh, mais le bateau bouge. Il tangue un petit peu. Oh, c'est trop mignon. Sur les rochers, il y a des pétales de cerisier. Sur la rive aussi. Je pense qu'il faudrait un autre morceau de rive. Hein, ce serait mieux. Oh! Il mange ses Dango avec du thé vert. Du thé matcha. Alix mange la version sauce soja de Dango. On entend du coteau. Et des personnages morts de rire. Oh, c'est chouette, hein. Du coup, là, l'arche de cerisier fait de l'ombre sur l'eau. Ah, et j'ai l'impression. Et en plus, il y a des pétales ou cerisier en dessous. Qu'il n'y a pas ailleurs sur la rivière. Rivière qui bouge, d'ailleurs. C'est vraiment super beau, hein. Oh là là, tous ces détails. Mais en fait, tant qu'à être en mode photo, autant faire une photo, hein. Alors, attends. Là, je trouve que ma déco cerisier cette année est vraiment meilleure qu'auparavant. On va faire une photo, on voit bien tout. Attends, un peu plus zoomé quand même. Ok. Attends, j'ai les doigts un peu secs à force de mettre du gel hydroalcoolique. Ok, un truc comme ça. Regardez-moi. C'est plutôt moi. Je me tourne. On va faire une pause. Et maintenant, je trouve que ça manque de mimiques. Vu que dans New Horizons, maintenant, j'ai les mimiques avec les danses de Happy Home Paradise. Il y aura une danse? Ah bah danse, tout simplement. Danse. Trop mignon. Alors, sauvegarder. Et aussi, photo favorite. Yeah! Et c'est quand même beaucoup plus élaboré que ce que j'avais fait auparavant. Hein. T'as beaucoup plus la notion rivière, barque, tout ça.
Et d'ailleurs, merci pour tous vos stickers. Remplacés. Non, finalement, je regrette pas d'avoir dépensé tous mes tickets verts pour le fond avec la montagne de cerisiers parce que c'est vraiment beau. Hein. Ça te met complètement dans l'immersion. Oh, Janou, ça te plaît d'être sur une barque? Salut Rosalys, je m'étire un peu après mon sport de la matinée, mon lapin. Quoi de neuf? Sandrine et Sarah, ta déco est très réussie, bravo, merci. Karine, Rosalys, j'ai commencé à regarder tes vidéos sur le Japon sur ton autre chaîne, j'adore! Oh, très contente que ça te plaise. D'ailleurs, j'ai pas mal de vidéos avec les floraisons de cerisier, puisque chaque année, je faisais des vidéos là-dessus. Est-ce que chaque année, j'étais au Japon? Sauf cette année. Alors, Jeannot, Rosalys, tu cherches quelque chose? Laisse-moi deviner, je parie que c'est ça. C'est-à-dire matériaux bois et matériaux harmonieux. Cool. Bon, maintenant que je suis aux quêtes additionnelles, on va pouvoir continuer. Alors oui, je disais, on va pouvoir faire des échanges aussi avec des cerisiers pleureurs. Eh, mais j'y crois pas, il faut si peu que ça pour... Ah non, il faut 100 cerisiers pleureurs roses pour avoir la rive cerisier. Je me disais, attends, il faut que 10 et j'en ai 100. Non, c'est l'inverse. Ok. J'ai assez de cerisiers pleureurs blancs pour avoir davantage de rivières, de rochers. Je vais prendre un pot. Un pot de cerisiers pleureurs blancs. Et je vais aussi prendre un pot de cerisiers pleureurs roses. Non, j'ai pas assez! Bah, je pense que je vais prendre ceux-là. Comme ça, j'aurai assez. Non, pas tout, non. Les cerisiers pleureurs roses. Tadé! Quelqu'un n'a pas chômé ici, mise à jour du jardin? Oh! Qu'est-ce qui n'a pas chômé? Allez, à toutes les couleurs. Oh, partagé par Drake, merci. Attends, t'as eu le temps. Le temps que je fasse ma déco, t'as eu le temps d'arroser, de mettre des dingo bay, et ça juste avant que je vienne récupérer mes cerisiers. Trop fort. Voici ta récompense, joyeux fleur de cerisier. Quoi, c'est tout? Bon donc... Non, je vais réellement me mettre à cueillir. Pour avoir mon pot de cerisier pleureur rose. Ah, quel travail! Allez, je replante. Direct. Rose. Tadam! Est-ce que j'ai assez pour... Bon, je vais pas utiliser l'engrais. Partager. Parce qu'il faut partager. C'est ce que j'aime bien avec cet événement. Oh bah toi aussi t'es en mode... Attends. Oh, t'as pas assez de... Attends, je vais te donner deux de chaque dans ce cas. Je pense que Gwenoline aussi est en mode quête additionnelle. Maintenant, on va poser nos pots. Objet reçu. Ah oui, c'est les cadeaux des habitants. Réaménager. Placer. Où est-ce qu'on va mettre nos petits pots? Ah, mais j'ai oublié de prendre le pot. Genre, j'ai récolté exprès. Ah, ça se met. Ou alors je vais enlever un rocher. Ouais, je vais mettre un trou ici, ce sera pour l'autre pot. Voilà, la rivière est coincée ici. Enregistré. On va aller s'échanger
Les cerisiers pleureurs roses. Drake dans le live chat. Hello tout le monde, je passe rapidement faire un petit coucou pendant ma petite pause du matin et vous souhaiter une magnifique journée. T'as eu le temps aussi de t'occuper de mon jardin, dis donc. Merci. Alors, donc, j'ai dit... Voilà. J'ai pile assez pour avoir le pot de cerisier pleureur rose. Et voilà. Réaménager. Maintenant, on va poser notre pot rose. À chaque fois, ça va se mettre dans la rivière. Enregistré. Et quand on vient voir... Ouais! Il y a des petits bébés cerisiers. Là, ce sont des bébés, hein. Et ceux qu'on... Le grand qu'on voit derrière, il doit être plus que centenaire, millénaire. Alors, nous avons aussi d'autres choses à faire. Ballon. Tiens, c'est pour toi. Tadé! Nouveaux habitants potentiels, nouvelle carte d'habitants sur l'île d'Anne-Lise. Bon, j'ai déjà eu Anne-Lise. Et sur l'île de Théo, Anko. Bah décidément aujourd'hui j'ai que des goûters. Ok. J'avais un truc à voir, c'est à propos de chimie. Parce que... Il se trouve que hier sur ma chaîne principale, j'ai enfin réussi à obtenir la carte de Gratien, mais aussi la carte de Chimie. Là, dans la collection. Et c'est là que je me disais, dans Pocket Camp aussi, je l'ai ou je peux l'avoir. Donc je me demandais si... Ah, mais si, je l'ai. Il est où? Est-ce que je l'ai invité quelque part? Quoi? Je l'aurais pas mis quelque part? Donc dans ce cas-là, je veux le mettre ici. On va faire un petit remplacement. Chimie va prendre la place de... C'est difficile. Peut-être, je sais pas, de Grignote. Tu cèdes ta place momentanément? Ah, bah je l'avais mis au chalet. Bon, c'est pas grave, je le mets ici. Confirmé. C'est un peu la fête aux cartes à Amiibo. La fête d'avoir réussi à compléter la collection série 5 avec Chimie. Tadé. Chimie, comment est-ce que tu es dans Pocket Camp? Ah bah. Dans l'attraction. Chimie. Oh, je suis agréablement surprise. Ah, oh, je me disais, c'est peut-être un personnage féminin. En fait, ça se voit pas derrière les lunettes. Alors, je suis agréablement surprise que tu m'invites, à moins que tu m'aies invité par erreur. Non, non, je voulais t'inviter. Bah tiens, un petit encas. C'est bientôt l'heure de manger. Justement, j'ai eu des goûters d'or, alors. Ça te dit? Tiens, 10. On dirait que je lui mets les dingos sur le nez. Chimie. Ça alors, Zeiss, pour moi, eh ben, c'est adorable d'avoir pensé à moi. Y a pas que les enfants qui aiment les cadeaux, qui se mangent, tu es génial, Eurek. Sandrine et Sarah, j'ai regardé la rediff, quelle main chanceuse de Morgane, n'est-ce pas? T'as l'unboxing d'hier, il était incroyable. Matériaux municipaux. Oh bah, Chimie, tu veux me reparler? On vient de se parler. Rosalie, j'ai une faveur à te demander sans vouloir te commander, je peux? Ah mais oui. Parce qu'on a avancé dans l'amitié. Gwenoline dans le live chat, coucou. Ah bah coucou, je viens de te partager des dingo bay. C'est bien gentil, je sais pas à qui d'autre j'aurais pu demander. Bien, alors voilà ce que j'aimerais vraiment voir dans ton camping. Requête microscope. Ok, bah on y va. Un microscope pour 9780 clochettes. C'est parti!
Comme on dit. Bon bah rendez-vous dans 23 heures. T'as quelque chose à me dire, Maï? Tiens, mais qui voilà bien le bonjour aux Alice. Quoi de neuf? Qu'est-ce qu'on s'amuse ici au printemps? C'est fou la différence que cela fait quand il y a du soleil. Ah, c'est bien! J'attendais une ligne de dialogue par rapport au printemps. Moi, j'adore faire des balades le soir en cette saison parce qu'il fait jour plus longtemps. Ça, c'est vrai. Les jours plus longs arrivent. Oh bah, où est parti Bouloche? Bouloche veut me parler et Bouloche a changé de place. Avez-vous vu Bouloche? Ah bah là. Oh Alice, il est temps que tu me trouves une tenue. T'en dis quoi? Je lance le chrono? Ok. Bon bah, je vais changer ta tenue. La tenue, ça compte. Dis-moi quelle survêt tu portes, je te dirai dans quelle discipline je te bats. Enfin, sans vouloir te mettre la pression, Brotille, fais voir ce que tu proposes. Allons-y. Tu veux une tenue de sport? Ah, je pourrais te mettre un dingo tricolore dans la main. Je sais pas si ça compte comme nouvelle tenue. On dirait que oui. Bah, tant qu'à faire, je vais te mettre une nouvelle tenue. Ça? T-shirt tropique. comme ça, c'est très fleuri. Brody, j'ai la classe mondiale avec ça. Merci, Rosalice. Quoi? T'as vu, on a le même style. Comme quoi, les grands athlètes se rencontrent, ma grande. Ah, parce qu'on a le dingo dans la main tous les deux. Et si on défilait dans notre super tenue pour afficher notre esprit d'équipe, Brody? Bien sûr. Un défilé en duo. Ting. Bouloche et moi, on porte la même tenue, les mêmes habits font les bons amis. On a juste la même brochette, mais c'est bon, ça compte. Ah bah dis donc. Ah oui, d'accord, c'est parce que tu veux quelque chose. Bouloche. À quoi peux-tu donc penser, Brody? Vas-y, je t'écoute. Alors comme ça, il paraît que le poisson est fortifiant pour le ciboulot. Ça me ferait pas de mal parce que je trouve que mes muscles du cervelet manquent de tonus. Vu le regard que tu m'as, j'ai dû manquer de clarté. T'aurais pas un poisson pour moi? Si, si. Qu'est-ce que tu veux? Bah tiens, vive à nous. Yo, je rêve pas, tu m'apportes un vive à nous. C'est la fête. Voici ta récompense. Graines de sosier pleureur blanc. T'es vraiment incroyable, tu sais. Et pas seulement parce que tu m'apportes des trucs. Grâce à toi, j'ai plein de temps en plus pour m'entraîner. Et ça, c'est inestimable, Brody. Doudoudoudou, quête accomplie. Et si on jouait un petit peu à l'aventure de Thibaut? Pour espérer avoir un nouvel habitant. Alors, est-ce que je peux enfin finir la quête de perles? Je peux au moins essayer d'avancer. Ouvrir la carte. La carte de perles. Insiste, s'il te plaît. Yes! Ah bah du coup, dès le prochain coup, c'est sûr qu'on l'a. Wouah, trop cool! Deux. C'est bon. Campeur trouvé. Perles. Oh, de peu. Je peux passer au niveau 148 bientôt. Objectif atteint. Ah, mais au fait, je suis en train de vous dire... j'ai oublié de vous dire, j'allais dire. Cet épisode-ci est la 501e vidéo de ma chaîne de gaming. Ouais. Voilà, c'était un petit milestone. Alors... Bah, tant qu'à faire, on va l'inviter. Il se trouve que j'ai libéré une place dans le chalet. Karine dans le live chat, nous aussi on a fait un unboxing carte Amiibo série 5 et sur 5 paquets, je n'ai eu qu'un perso que je n'avais pas. Du coup, tout le reste est pour ma fille. La soirée n'était pas perdue pour tout le monde. Ah, c'est dur, hein, une seule carte nouvelle. Là, c'est pour ça, hier, Morgane a été super chanceux d'en avoir plusieurs nouveaux. Ah, en fait, à défaut d'avoir Marie en meuble spécial cerisier, j'ai Marie en meuble spécial printemps. Là. Et je l'aime tellement que je la garde tout le temps dans le chalet.
Bon, du coup, nous allons inviter notre nouvelle amie. Ah, attends, on va voir sa description. Attends. Registre. Notre nouvelle amie qui est... C'était qui déjà ? Perle, c'est un chat. Voilà. Thème préféré, harmonie. Anniversaire 29 mai. Oh bah c'est bientôt. Description. Salut, moi c'est Perle, tu ne me connais pas, mais tu m'aimes déjà. Je suis une perle rare et je n'exagère même pas, parce que je suis aussi hyper modeste. Allez, bisous. Eh ben on t'appelle. Appelez. C'est pas ça. On va utiliser qui est dans mon chalet, voilà. Perle. Et voilà. Nouvel habitant. Gwenoline, j'ai commandé ton artbook Princesse Eloïta. Quoi? Tu as réussi? Alors c'était bon l'astuce. L'astuce que j'avais fini par trouver. Avec... comment ça s'appelle déjà? C'est pas Parcoursup, c'est le chèque culture pour les jeunes. Ah ouais, voilà. À ce moment-là, du coup, j'ai retrouvé peut-être des endroits où il y avait encore mon artbook. Ah bah, c'est super, tu peux te dire, enfin, après toutes ces années de recherche, tu réussis à avoir le collector. Après, il faut le garder précieusement. Donc, nous allons découvrir la personnalité de Perle. Sandrine et Sarah, bravo, plus de 500 formidables vidéos et merci à toi pour tous ces partages. Merci d'avoir toujours été là. C'est super de partager quand vous êtes là. Alors, Perle, tiens, mais qui voilà? Bien le bonjour, Rosalys. Tiens, un petit encas. Je sais pas quoi lui donner. Je crois que c'était thème harmonieux. Harmonie. Je peux lui donner des manjous. Ou du manjou normal. Je vais lui donner ça, je crois. Attends, j'ai quand même un doute sur son type. Je vais revérifier. Registre. On l'a vu il y a 2 secondes, mais j'ai pas fait attention. Ah oui, c'est ça, thème préféré, harmonie. Ok. Tu vas avoir droit à des manjous. Gwenoline, c'est mon saint Graal. Mon artbook, c'est ton saint Graal. Énorme. Alors, allons-y. Tiens, un petit encas. Alors, j'ai dit que je lui donnais des manjous. Je vais en garder un. Perle aime bien. Tu es sûre de vouloir me l'offrir? Oui, c'est ton cadeau de bienvenue. Eh ben, quelle générosité! Dis donc, c'est ce que je préfère en plus. Je suis sans voix du coup. Tu connais bien mes goûts. T'es vraiment unique en ton genre, Rosalys. Merci d'avoir pensé à moi. Degré d'amitié supérieur. C'est cadeau, matériau harmonieux. Et en plus, yes! Niveau de campeur supérieur. Je passe au niveau 148. Et des nouveaux tickets verts. J'en ai bien besoin, merci. Qui veut me parler ici? Alors, nous avons les petits chiens qui veulent me parler. Béa. Bonjour, Rosalys. Je ne sais pas toi, mais je commence à avoir faim. C'est exactement comme ça que j'ai fini le live précédent. Enfin, le live... l'unboxing. Oui, c'est ce que j'ai dit, hein. Je crois que j'ai fini par ça. Je sais pas toi, mais je commence à avoir faim. Je sais pas vous, mais je commence à avoir faim. Pour de vrai. Il est presque midi. Quoi de neuf? Le printemps me donne envie de tenter de nouvelles choses, comme rejoindre un club ou faire du sport. Mais... me retrouver dans un nouvel endroit avec plein de nouvelles personnes m'angoisse un peu. Il y en a qui sont excités à cette idée, mais moi j'avoue que ça me fait peur, mon chaton. Je te comprends. Et à la fois, c'est l'occasion de faire de nouvelles rencontres. Olympe.
Sa musique est super dynamique. Et Rosalys, je sais pas toi, mais je commence carrément à avoir faim. Je sais pas si vous avez pu entendre, à l'instant, mon ventre vient de gargouiller. Je pense qu'à force de me dire que t'as faim, ça me donne vraiment faim. Quoi de neuf? Tu vois, la place du marché, eh ben, il n'y a pas les mêmes stands selon le jour de la semaine. Et enfin, câlin. Salut Rosalys, je m'étire un peu après mon sport de la matinée. Quoi de neuf? Ah, c'est un temps parfait pour faire un petit jogging. Je pourrais courir à longueur de journée en faisant plusieurs pauses casse-croûte. Gwenoline, je l'ai trouvé sur Amazon en occasion. Hein? Du coup, j'espère que tu l'as pas payé avec un surplus de folie, hein, parce que la dernière fois que j'avais vu sur Amazon, il était au double de son prix. Bon, en tout cas, je suis contente que tu finisses par l'avoir. Tu me diras quand tu le recevras. Alors... Bah... Voilà pour... Tenez, pour cet épisode. Mes cerisiers, j'espère que ce let's play vous a plu. Et surtout, on va se souhaiter bon appétit, hein, parce que je sais pas vous, mais je commence vraiment à avoir faim. Du coup, je suis très contente de cette déco cerisier. Je pense que je l'ai beaucoup plus joué cette année dans Pocket Camp que dans New Horizons. Mais bon, faut dire, c'est surtout dans Pocket Camp qu'il y a des nouveautés, quoi. Cela dit, on va se retrouver pour New Horizons cet après-midi à 16h45, je pense. Voilà. Du coup, bon appétit, à tout à l'heure.